Victime d'harcèlement scolaire, Lucas, 13 ans, s'est donné la mort ce samedi 7 janvier 2023. L'adolescent était scolarisé au collège Louis-Armand de Golbey dans les Vosges. Lors des auditions, ses proches ont dénoncé des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège en raison de son homosexualité depuis plusieurs mois. La directrice académique des services de l'éducation nationale dans les Vosges a confirmé sur France Bleu Lorraine que des moqueries liées à l'orientation sexuelle de l'adolescent avaient été évoquées dès septembre 2022 lors de la première réunion parents-professeurs. Dans Le Parisien, elle assure que la situation a été prise très au sérieux par l'établissement. Fin 2022, lors de la deuxième réunion parents-professeurs, Lucas et sa mère auraient déclaré que les choses allaient mieux et que Lucas allait bien. Mais d'après RMC, qui a interrogé une proche de la famille, l'adolescent subissait moqueries et insultes dans son quartier et au collège depuis de longs mois par rapport à sa tenue, sa façon d'être. Toujours selon cette proche, Lucas se plaignait de ce qu'il vivait encore et encore et sa mère a appelé au secours à plusieurs reprises. Pour cette proche de la famille, le milieu scolaire n'a pas réagi comme il fallait. Une enquête pour harcèlement sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte, a annoncé le parquet d'Épinal ce jeudi 12 janvier.